Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Smite dans un mode siège où on va jouer avec Erlang Shen, le guerrier, le dernier guerrier sorti en date. Un duke que j'aime bien, que j'ai déjà maîtrisé rang 1, mais il faut que je travaille encore un peu avant de pouvoir le jouer en Conquest League. En plus, il est souvent ban, mais bon, au cas où, on sait jamais. Donc avec nous, on aura Anubis, Haokwang et Ulr. Je pense qu'on va faire une duo lane avec Anubis, je suis pas sûr, mais je pense. Pour avoir à chaque fois du distance et du corps à corps dans les deux. En face, sur un autre Anubis qui a la même skin, en plus ça va être un bordel. L'autre qui a le nouveau skin de Medusa qui vient de sortir. Le skin, parce qu'il a acheté tous les trucs de l'été, bah, il est courageux, hein, parce que bon, il y avait des trucs vraiment pas top au niveau des skins, etc. de cet été. Bon. Et en plus, il y aura Aoelix et Aphrodite. Bon, c'est deux combos qui se valent. À voir ce qu'on arrive à faire. Donc nous on up le 2 en priorité, et puis le 3, même si le 1 aussi, donc on verra en fonction. Moi j'aime bien partir, ah, vous allez voir, sur un siège deuxième rang de la peau de l'oursin de Urshin, pour avoir très vite, pour pouvoir espérer la stacker assez vite. Donc deuxième rang de la peau de l'oursin, des bots rang 1 pour avoir un peu de move speed, et puis qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre deux potions de vie. On va être un peu le support. Oui, non, je sais pas si on est un peu le support. On pourrait prendre une méditation. Je ne sais pas. Après, ils ont quand même. On va prendre une. Non, une purif. Ça... Non, allez, une méditation. On va jouer un peu notre rôle de support. En quelque sorte. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont dans une équipe? Non, personne n'est. On est du full pick-up. En tout cas, aucun de nous est dans le même clan. Alors qu'en face, on voit qu'il y a Anubis et Medusa qui sont ensemble. Ouais. On va aller avec le petit Anubis. Nous, on va prendre le buff de dégâts. Donc, j'ai pas pris de potion de mana parce que déjà, t'en consommes pas trop normalement avec Erlang Shen. Et puis j'ai une méditation donc, qui redonne beaucoup de mana. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, attention, est-ce qu'ils peuvent, avec un Anubis, ils peuvent tenter de. D'invade, hein. Donc parce que eux ont un Anubis. Attention, il a pris l'aggro. J'ai pas réagi très vite, c'est pas très malin de ma part. Désolé, mon petit. On va essayer, attention, de se mettre dans ce bestiole pour aller chercher l'aggro direct. Voilà. Il devrait reculer là, je peux prendre l'aggro un peu. Vas-y, vas-y, hésite pas. Voilà. Et on y va. C'est parti. Alors le mode siège, c'est vraiment un mode que j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup à jouer en groupe avec quelqu'un. Voilà, pour assurer la duo lane ensemble, en fait, ça permet. Bon, après, si vos équipiers sur l'autre lane se prennent raclée, vous pouvez pas faire grand chose, hein, ça arrive. Ça arrivera, mais dans son ensemble, c'est quand même plutôt sympa. Et il y a de quoi carry quand t'es à deux. Sur ce mode de jeu. Alors on est en train d'assurer le dépush. Alors pourquoi? Bah, c'est Anubis contre Anubis, c'est pas ça. C'est parce qu'un Erlang Shen a plus de dépush qu'une Aoelix. Hein. Aïe aïe aïe, voilà. C'est compliqué. Le Ulr qui se fait tuer. Oh là là. Ça commence très très mal. Ils ont pris très cher. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. C'est peut-être un coup de chance des adversaires. En tout cas, ils se mettent bien directement. C'est dommage, nous on domine notre lane, mais on retourne à la base. Alors pourquoi on retourne déjà à la base? Parce qu'on a notre peau de l'oursin et que plus tôt tu as de quoi. Bah déjà, tu tankes. Plus tôt tu la stack. Alors, nous on n'arrive pas à mettre à profit notre domination. Et ça, c'est fort dommage. Parce que la duo lane en face, de l'autre côté, Medusa, Aphrodite. Eux, ils l'ont bien rentabilisé, hein, clairement. On essaie d'utiliser l'ulti, la médite, allez. Bien joué, on prend un kill. Hop, ah, il a raté son. Il a raté, vous l'avez vu, il a raté ses bandelettes, notre Anubis, c'est dommage. Il a réussi à prendre le kill sur le. Quand on l'a aggro avec notre ulti, donc ça s'est bien passé. Malheureusement, il y a un 3-1 parce qu'ils se sont encore fait tuer, hein, nos équipiers. Est-ce qu'on peut aller aider? Je ne sais pas quoi faire. On va commencer à taper la tour.
Oh bah c'est dommage, voilà. Nous on prend un léger avantage sur l'adversaire, sur notre lane. Mais rien de comparable avec les autres qui mettent tout simplement un 3-0. Avec ça, donc pensez à... Ah. Voilà, là elle a pris quand même. Elle a pris cher. Elle a compris, elle est arrivée, elle prend un tier life en moins, comme ça c'est cadeau. Hop. Et on les route. Attention. Ouais, je suis prêt à me mettre en bestiole un peu comme à la Sun Wukong. J'aimerais bien me back pour mes bottes complètement finies, donc il me faut 1250 gold. Donc voilà, il y a le mode loutre et le mode plus offensif. Ça c'est un mode défensif, mode offensif après. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Anubis qui tente d'aller aider nos équipiers, il a raison, moi j'ai l'ulti je pense. Après faut pas que je m'enflamme hein, même si je vois qu'ils sont pas full life, que j'ai mon ulti. Faut quand même pas que je prenne trop de risques. Il meurt encore. Aokwang à 0-3-0. C'est dommage parce que Aokwang c'est... Ah là là, ils ont déjà la machine de siège qui arrive. Et là les mecs vont peut-être arriver hein. Les adversaires qui ont été feed, ils vont peut-être se TP sur le truc. Voilà, il y a une Aphrodite qui arrive. Et là on va moins rigoler. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Elle a raté, ça va en avoir. Oh, là on prend cher. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, il vient de pas nous aider. Il y a le Aphrodite qui vient, mais c'est un peu tard malheureusement hein. On essaie de faire qu'elle prenne les dégâts. Il a réussi à prendre un kill, ça c'est cool. Ça, il faut que notre Aokwang se remette parce que je fais tellement carry avec un Aokwang. C'est pas pour rien qu'il est full ban. Ah. Tiens, non mais. Ah. Allez, allez, bien joué. C'est nous qui avons pris le kill. Bon, ça c'est pas. C'était pas obligatoire. Enfin, j'ai bourriné. Hein. À choisir, je préférais que ce soit notre Aokwang qui vienne chercher le kill. On a bien résisté au final, on s'est bien remis. Vous voyez, en se regroupant, c'était mieux. Et notre Ulrich qui prend le kill, hein, voilà, il se remet bien. On va partir sur ça après, hein, le Frostbound Hammer. Malheureusement, on n'a pas encore les sous pour ça. Et ils prennent la tour 1. Par contre, notre Anubis est dans la merdouille. Là, hein. Il est resté un peu trop longtemps. Allez, 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 allez mon coco, j'essaie d'arriver. Ouais, bien, ça va, il a tenu le choc. Ah, est-ce que nous on peut la gank, l'attaquer? Je pense qu'elle va être méfiante. Après, on a notre ulti qui arrive, voilà. Qui est de nouveau là. Donc, ouais, je vais aller. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, elle a réussi. Elle a réussi et là, ça se heal tellement que bon. Oh là. Il y a un petit Anubis, ça va, il a raté ses... il faudrait les défendre, il a raté ses... C'est pas ses liens, c'est comment ça s'appelle, hein. Bravo. Ah bah vous m'avez compris. J'ai du mal. C'est bande de lettres, hein. Bah dites donc, j'ai galéré. Ouais. Oh, attention. Oh, alors là. Là, faut la punir, voilà. C'est bien. Bien par là, hop, je lui redonne de la vie avec la médite, etc. C'est passé. De l'autre côté, ils arrivent à prendre le kill aussi. Et la game est en train de se retourner. C'est plutôt sympa. On est en train de bien se remettre. Et ça, c'était pas gagné. Donc le Frostbound Hammer. Pourquoi? Bah parce que quand on l'aura, déjà, ça nous donne des PV et de la puissance. Et puis son passif est quand même très très bien sur un Erlang Shen qui auto-attaque beaucoup. Je vais chercher. Oui, c'est bien sur un Erlang Shen qui attaque beaucoup évidemment. Mais parce que en fait on va slow l'ennemi à chaque fois qu'on va auto-attaque. Et ça c'est plutôt cool pour coller au basque du mec hein, en fait. On a besoin de 950 gold. J'ai le deuxième sanctuaire mais j'aimerais bien back. Tout en finissant mon deuxième sanctuaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tenter un gank? On peut le tenter. Ah, ils sont quand même deux. J'ai pas l'ulti. Attention, j'ai pas la.
Aïe aïe aïe, c'est vrai, tu es. Ah là là, c'est foutu, c'est la fin du Erlang Shen. Ah, et là j'ai pris un nouveau contrôle. Il est mort à 1v1 le Anubis face à Medusa, et après j'ai été tout seul. Elle a réussi à avoir un gros burst Medusa. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle a été feed en partie. Mais c'est bien, ils finissent le taf. Malheureusement on n'aura pas l'assist, hein. Ça a duré trop longtemps. On perd double tour, hein, à gauche et à droite. Non, on a la machine de siège, c'est le moment de prendre la revanche. Alors un deuxième item. La purée serait bien parce qu'ils ont quand même du contrôle. Ces bandelettes de Anubis sont quand même à jambes. Là, notre Aokwang était un peu confiant. J'essaie d'arriver, j'ai l'ulti. Allez, est-ce qu'on est suivi? On n'a pas l'air suivi plus que ça. Allez. Voilà. Alors, à toi. Ouais, là, je suis quand même un peu tout seul. On essaie. Allez. Compliqué là. Ouais, je bourrine partout. Par contre là, attention, s'ils arrivent, j'ai tanké un peu salement. Ah, et puis on va perdre la tour là-bas. Au coin qui vient de défendre. Mais on part sur le queen size. Vous dites, il prend pas beaucoup de défense, mais je suis en train de stacker quand même relativement bien ma peau de l'oursin. Et rajouter à ça des PV avec la... avec le Frostbound Hammer et il y a de quoi. Ouais, malheureusement il a plus du tout de PV. Allez. Il y a des sbires. On va essayer d'éviter de prendre trop cher de ce côté là, mais on arrive à prendre le premier Phoenix. Elle a jump. Faut la punir. Allez, voilà, fallait la punir là, elle a jump sur nous. Tel. Allez, on peut tenter, comme il dit le Fire Giant, la machine de siège du milieu. Il veut le red. J'imagine que c'est pour lui. Attention. Faut la punir. On peut pas. On n'est pas suivi. Oh là là. Hop, on est obligé d'utiliser l'ulti. Voilà, on essaie de temporiser. Voilà, on récupère de la vie. Par contre là. Ah non, je me suis retourné à ce moment-là. Je suis un boulet. J'ai envie d'y aller. Ah, on va la mort. On sait qu'on est mort, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Ah, on est mort. Hein. Trop, le Aokwang a l'air de s'amuser. Je sais pas ce qu'il tente. Ah, il y va, il tente le 1v1. Aïe. Allez. Aïe, c'est pas grave, normalement il devrait le tuer à la retombée. Oh, il se... se moque de lui, bon, et ça arrive à 2 fails. C'est vrai que là il s'est quand même fail. Il l'a vu normalement. Et puis, là, bien joué. Par contre là, c'était compliqué. Et en final, on prend pas l'avantage en ayant pris ça. C'est pas grave. La game n'en sera que meilleure. Moi, je suis pas trop mal dans ma game. Je suis à combien? Je suis à 3-2-7. Après, je suis un semi-support. Hein. Je tente quand même relativement bien entre le pot de l'oursin et le marteau de givre. À chaque fois quand même un peu de temps à me tuer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut essayer de leur mettre la pression à droite, même si on n'a plus la machine de siège, parce que ils sont obligés certains d'être à gauche. Voilà, alors attention, faut pas qu'ils se fassent tuer en 1v1 trop vite, parce que j'arrive, hop, voilà. Oh, je me suis... vous le vivez ça? Mais quel boulet! Voilà, on l'oblige à nous regarder, hein. Avec mon ulti pour essayer, parce que sinon elle aurait peut-être réussi à s'enfuir. Attention. Oh là là, ils sont nombreux là.
on tue lui. Ah, j'ai pas eu le temps de le soigner malheureusement. Ils étaient à deux contre lui, moi je m'occupais de la Winx. Allez, voilà, là on le termine. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. On peut. Ouais, après ils ont plus beaucoup de PV, mais. Eh bien oui, on va essayer. On va essayer, mon petit Oul, d'attaquer la tour de droite. Donc il a été nerf un peu, je crois, le Erlang Shen, mais hop, on a évité ce dégât. Tranquille. Bon, on prend le kill sans plus le chercher que ça. Là, en fait, faut à chaque fois ne pas les laisser respirer, c'est de. Hop, allez, 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 allez. Voilà. Là, par contre, faut vraiment tomber le truc vite. Moi, je back. Qu'il fasse gaffe, faut peut-être reprendre vite le phénix de gauche, on voit. Nous, on va partir sur quoi? J'ai envie de la vitesse d'attaque. Alors, en attaque speed, qu'est-ce qu'on peut prendre qui serait marrant? Voilà, ça a encore des PV, du cooldown. On va partir sur ça. Allez. Ah, faut vraiment. Aïe, aïe, aïe. Mais normal, leur phénix va retomber. Leur phénix va retomber, donc c'est plutôt cool. Y a pas de souci. Leur phénix qui retombe. Voilà, oui. Comme on l'indique, le raid puis le truc du mid. Est-ce qu'il va arriver? On va faire le raid. Alors, est-ce qu'Anubis le veut? Il peut le prendre. Sinon, moi, je peux le prendre. Moi, je le prends. On lui dit merci, la politesse, hein, c'est le minimum. Et puis il y a le truc du milieu, ils peuvent essayer de le contester. Ça semble galère pour eux à contester. On voit qu'on le tombe vite avec un Anubis plus un Erlang Shen qui est build semi-dégâts. Pas complètement non plus. Ouh, elle vient la Médusa. On s'est retourné. Hop, hop, on la route. Et on la tombe. Et ça se passe bien. Et la duo lane de l'autre côté, vous voyez que c'était en galère. On est en train de rattraper tout ça. Nous, on va back pour avoir un. Qu'est-ce qu'on peut prendre en dernier item? On pourrait prendre un objet défensif en plus. Mais on se sent bien. On va peut-être partir sur ça. So, on a maintenant de la vitesse d'attaque. Hein, entre ça qui donne du 15% et ça du 20%. Il n'y a pas besoin de plus non plus. Mais on pourrait. Ah, j'aurais dû prendre plutôt même le démon du vent pour avoir du. Comment appelle-t-on ça? Du critique qui fait qu'on auto-attaque plus vite quand on fait du critique. Ça aurait été pas mal le démon du vent en dernier item là. Bon, on part sur autre chose, sur de la puissance. Hop. Voilà, ils ont été obligés d'utiliser beaucoup. Hop là, on essaie de tenir. On a l'ulti. Ah, là quand même, il y a des limites. J'ai tanké très très longtemps. J'ai essayé, ça marche, nos équipiers ont bien suivi et on gagne de façon honnête, la game est quand même méritée et puis voilà, c'était sympa de vous montrer un Erlang Shen, hein. c'est un futur guerrier que j'ai beaucoup aimé, pour l'instant je l'ai que rang 1, mais ce n'est que le début. Je pense que je le jouerai pas mal de fois. J'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.